Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Pour nous réhabiliter ensemble des routes qui sont dans la zone administrative de l'État. Et nous avons commencé depuis avril, côté nous avons changé couche de base, couche de fondation. Et actuellement, nous pouvons pour nous recevoir pour le déroulement. Il faut que nous gardions là au Kababoué, rue de la Réunion. Nous sommes censés prêts pour nous mettre à cette là d'ici jeudi ou vendredi. Dès demain, le laboratoire national a dit effectuer différents tests. Quelqu'un pour l'effectuer et puis pour nous dire ok, que nous devons imprégner ensuite mettre à asphalte. Actuellement, là, nous avons une réduction de masse pour nous préparer tout pour nous appliquer en OB d'ici semaine. Ensuite, on va avancer sur le Saint-Honoré qui est presque prêt pour nous recevoir ça tout parce que nous finissons avec un niveau de trottoir des débords. Bref, plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, c'est l'année de commencer, ils ont que c'est tronçon ça plus avancé. Ensuite, très bientôt, là, bien pour inaugurer le bâtiment plus supérieur des comptes là. Donc, là, on est obligé de commencer là pour nous finir partie ça. D'ici semaine prochaine, partie ça finit net. Des bagailles pour nous retourner. D'ici jeudi, vendredi, on a appliqué en OB. Ok. Mais nous capables de remarquer que Woutio est plus large. Techniquement, bah, nous et largeur Woutio, trottoir, tout ça. Nous avons environnement qui l'autre l'air. Parlez-nous de ça, techniquement. À part de rue de la Réunion qui était même largeur, qui était environ largeur moyenne, 12 mètres, nous avons oui, le champ de masque qui nous fait deux fois, c'est-à-dire nous avons deux fois. Dans deux parties, chaque partie mesure 9 mètres. Et puis nous avons Saint-Honoré qui était 6 mètres. Les grands choses, c'est 6 mètres. Au départ, actuellement, d'un côté, il y a 10 mètres 50, d'un côté, il y a 9 mètres. C'est l'agrandissement ça nous fait. Parce que les hauts ou 6 mètres, on marche une campagne pour mettre mon terre, ça engendre un embouteillage. Mais actuellement, j'en nous fais le combien dans le Saint-Honoré, on marche une campagne pour mettre mon terre, et puis la circulation a toujours fonctionné normal. Surtout dans le Saint-Honoré, on nous fait des aires de stationnement, puis on chauffeur besoin de mettre mon terre, il va mettre sur le côté de mettre mon terre, puis mon fin descend et puis continuer aussi. Mais on a pris les marchands, en grâce pour ne pas venir occuper l'espace. Dans ce sens, on a demandé la mairie pour prendre responsabilité pour empêcher les gens de faire ça ouvrir là. Pendant notre travail là, il y a des gens qui lavent les machines qui nous ont pile problème. On a demandé la mairie pour prendre responsabilité, lever pour nous, s'il vous plaît. Parce que nous ne pouvons pas faire dépenser toute l'énergie, ça, toute l'argent ça, pour nous faire route, pour nous aider à écraser dans une fraction. Nous sommes capables de trottoir, nous quitter des espaces pour nous mettre des pieds bois modernes. Parce que il y a un pile côté, surtout dans Saint-Honoré, nous abattons un pile pieds bois qui était capable d'élargir ou pas. Nous comptons remplacer par des nouveaux pieds bois qui des plantes ornementales qui vont décorer. Capables là. C'est si au fond où tout pas fait drainage, c'est comme si vous lavez mon ciel la tête. Ça nous très ponctuel et très comme on a dit ça. Pointis sur ça. C'est ça qui fait nous réhabiliter réseau drainage qui était là côté pour nous agrandir, nous agrandir. Message moi c'est pour usager tronçon ça et ensuite rejoindre parce que
nous avons créé un pile en nuit. Pendant notre approche sur la route, nous avons pris poussière, des fois nous bloquons un tronçon. Mais nous disons, nous misons en route, mais nous apportons bonne nouvelle. Très bientôt, nous allons en route tout net. Peuple, ça, les bouquets, c'est pour ça le voter, c'est pour ça que nous sommes dans le temps, pour me réponse à problème. Même Jean député a sorti deux ans de cela depuis que je suis là. Nous pouvons mettre un tracteur. Pour nous suspendre chaque ziriac qui croit à coup de dire je dis à côté de la terre et bah là et bien qui ça fait là parce que l'argent pour acheter tracteur l'argent pour la même tout profiter du ministre agriculture à tout je dis à samedi c'est ça et dans un télé national samedi si je vais ouais image tracteur dans un homme ministre. Parce que moi-même, mon chien qui bon pouvoir, je ne vais pas marron. L'air fin bon pouvoir, moi-même, mettez-nous sous pouvoir. Dans un gros match, dans la sirène, dans votre prince, dans un gros backup, c'est pour nous servir. C'est pour ça que nous avons un gros match. C'est pas pour moi. Et c'est pour nous servir parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui mettent le président. C'est eux qui bossent moi devant là. Bonne nouvelle. Bon, ouais, ministre Zoumel, lui, nous, est-ce que nous voulons une nouvelle là? Une nouvelle, nous voulons une nouvelle là. 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 Nous voulons quand j'avais livré de même moi. Parce que mon Dieu, c'est pour ça que j'ai voté. Je n'ai pas voté pour l'aime passer, me dire on va pour samedi, pour ne pas respecter. Parce que l'aime dit on va gagner, quel que soit samedi, nous-mêmes qui dans l'État, Wall Banou, c'est travail pour le respecter. Ministère de la République, là, je dis pour l'usine, grand ancien usine, Jérémy, pour l'installer, ministre qui l'a le conseil, c'est dégager. Mettre Jean-Jacques pour les installer vers ça. Mon redance, pas besoin d'un temps plus souple avec usine au Kaila pour rejoindre asphalte capture 10 campérin pour une asphalte route en département. Opération Bandeboué, comme un outil politique qui représente par ensemble organisation qui a fait élection pour Jovenel Moïse à travers 10 départements pays. Opération Bandeboué, a profiter l'occasion à tout conseil responsable pour la paix et la sécurité tournée dans quatre coins pays. Opération Bandeboué a rappelé le président une déclaration qui a été faite. Il dit que les gens qui mettent des chefs qui peuvent travailler pour le pays. Si pas de résultat, la brévoquelle. Eh bien, président, il y a plusieurs ministres et directeur général qui pas de rien. C'est Pédi qui a boulé, c'est Belle Machine qui a boulé, c'est Frère qui a boulé. Président, qui soit fait avec nous, ça va finir le monde toujours. Révoquez-le. Vous l'avez plus loin. Il y a là-dedans, nous aussi des forts dans la corruption. Il y a des tout mon argent. Président, mon ça, yo, ne pas supposer dans le monde toujours, président. Pour nous finir, au pays à ce moment débourré, après appeler le président, nous là pour nous supporter dans tout ça l'a fait. Qui bon, et nous pour nous dénoncer tout, tout ça relorage. Cap déchirer l'État. Nous même pour débourrer, nous pouvons pas débourrer nos façons négatives. Nous pouvons pas débourrer nos façons noires, mais nous pouvons débourrer pour nous jeunes tirer là. Nous pouvons débourrer pour changement. Nous pouvons débourrer pour nous émerger dans l'État. Nous pouvons débourrer pour notre classe. Président, nous avons tout. Yo ministre, yo directeur général,
qui pas produit n'a pas été bourré. Merci la presse. Merci la presse. Oubliez toute jeune garçon à jeune fille qui entend pour te bourrer, qui c'est des chefs d'organisation. Oui. Nous c'est des démocrates. Nous pour élection. N'a dit président, nous féliciter pour des machos. Il commence à prendre pour une élection dans le pays. Quel que soit un parti politique, quel que soit un groupement politique, vous souhaitez venir diriger le pays ça, pour faire mieux que pouvoir ça qui là, bon seul côté où qu'a prendre pouvoir pour gagner légitimité dans l'élection. Élection. Président Jovenel Moïse, suivre ça la loi d'il. Li mette KEP à camper. N'a dit toute partie politique, suspend intoxiquer opinion peuple là. Suspend by peuple la menti si tout ça qui vit dans condition infrahumaine yo, ça dans quartier populaire. Suspend by moun sa menti. Parce que lorsque parti politique, on va pas gagner problème avec élection. Nous même dans voter boué, nous étonné tendez des représentants parti politique qui paient élection. Nous pas comprendre, y a prôné un seul bagaille, transition. Nous même dans opération voter boué comme outil politique. Nous embarqué et nous croire dans élection et nous pas danser coller avec transition parce que histoire dit clair. Transition pas jamais boté un bagage qui bon pour le pays ça. Nous parlons de transition. Non. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Toute partie politique. Pas de parler en pile. Élection arrivée, préparez-vous. Qui sont gagnés comme agenda? Qui projet de développement qui ont gagné? Montrez peuple qui sont gagnés comme projet. Majorité à quoi dans où la voter. Mais cette question, ou quoi dans voyer aller, ou bien quoi dans transition, pourquoi ils viennent voter l'argent l'État? Parce que pas de nous parler rendre compte. Comment utiliser l'argent l'État, nous-mêmes dans l'opération pour débouer, nous d'accord dans tout processus électoral qui va le déclencher dans le pays. Même Jean, nous sommes dit tout à l'heure, élection oui, transition non. Élection oui, transition non. Ambassade américaine, nous remercions pour position, opposition qui pour stabilité, une opposition qui pour progrès, et notamment opposition qui est là pour renouvellement stable de personnel politique dans le pays. Encore une fois, Jean vient à Dajan-Remédil, c'est le moment difficile pour qui est-ce qu'ils ont. Peuple américain, encore une fois, nous battons un gros bravo pour vous pour positionner en faveur de stabilité dans le pays. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté, Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment les articles 136, 207, 207.1, 207.2 et 207.3. Vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, notamment les articles 18 et 19. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 14 septembre 1989 fixant les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, vu le décret du 12 septembre 1995 créant l'Office de la protection du citoyen, considérant la nécessité de nommer le protecteur du citoyen adjoint, arrête. Article 1er. Le citoyen Amos Auguste est nommé protecteur du citoyen adjoint. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné de nom au Palais national à Port-au-Prince le 28 août 2020, en 217e de l'indépendance, le président Jovenel Moïse.
condamner. Je jure de respecter et de me conformer aux principes de la Constitution, aux lois et règlements de mon pays concernant mon mandat de protecteur à la vie des citoyens, de remplir mes fonctions avec objectivité, impartialité et probité. Merci. Monsieur le protecteur adjoint des citoyens, vous venez en cet instant prêter serment de respecter et de conformer aux prescrits de la Constitution et ce qui fait de vous le protecteur des citoyens appelé à travailler avec le citoyen protecteur, avec le protecteur du citoyen, dans les cadres de votre fonction. Vous allez devoir mettre toute votre ardeur à servir avec impartialité et probité. La Cour vous félicite et vous souhaite une fructueuse carrière. À travers les dirigeants de cette prestigieuse institution, le citoyen doit pouvoir trouver de réels protecteurs. Plus que jamais, soyez donc prêts, monsieur Amos Auguste, à vous engager dans le combat inlassable pour le respect des droits du citoyen et de la citoyenne. Avec la loi comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes. Faites preuve de la plus grande motivation et même de l'esprit d'acharnement dans une bataille. Ou bien dans cette bataille. La République, à travers chaque citoyen, c'est vraisemblablement dans cette optique que le président Jovenel Moïse a fait choix de vous comme protecteur adjoint citoyen. Je vous conduis, monsieur Amos Auguste, à la traîner en toute urgence avec un succès. Il me plaît de vous faire ce rappel. Au sein de l'administration publique, la réussite est un devoir citoyen. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. Au nom du protecteur du citoyen et au nom de toute l'équipe de l'Office de la protection du citoyen, je vous remercie, honorable magistrat, de m'avoir accueilli à cette audience solennelle consacrée à ma prestation de serment en tant que protecteur adjoint du citoyen. Je tiens à remercier spécialement monsieur le protecteur du citoyen qui a une fois de plus notifié sa confiance en ma personne pour l'assister dans cette lourde responsabilité en tant que protecteur adjoint. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion pour remercier les collègues de l'Office de la protection du citoyen qui m'ont accompagné et qui m'ont témoigné leur solidarité. Honorable magistrat, en qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains et en vertu des dispositions de la Constitution de 1987 et conformément à la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'OPC, cette institution a pour obligation d'enquêter sur toutes les situations de violation des droits humains dans la perspective de veiller au respect par l'État de ses engagements
en matière de droits humains. En effet, l'une des principales attributions de l'OPC consiste à s'assurer du respect des normes minimales applicables en matière de justice et de détention en particulier. Malheureusement, le constat en matière du respect des garanties judiciaires est alarmant selon les données statistiques disponibles. Il y a lieu de souligner à votre attention, honorable magistrat, que la justice demeure un maillon incontournable en matière de la jouissance effective des droits fondamentaux. Toutefois, sans un pouvoir judiciaire fort, accessible et réellement indépendant, on ne parviendra jamais à l'établissement de l'état de droit dont nous rêvons tous. Dans cet esprit, et au regard des orientations stratégiques de l'OPC, je m'engage à accompagner le protecteur du citoyen dans cette lourde responsabilité, tout en poursuivant ses efforts de plaidoyer en faveur d'une justice forte, indépendante, capable de garantir la jouissance effective des droits fondamentaux. Cela se fera certainement dans le cadre d'une collaboration harmonieuse. Honorable magistrat, mesdames, messieurs, distingués invités, je vous donne la garantie que je me mettrai à la hauteur de mes responsabilités en vertu des engagements que je viens de prendre devant votre auguste assemblée, honorable magistrat. Je vous remercie. Jeudi à nous réunir dans le bureau FENAFEM pour nous capables de remettre résultats en campagne de dépistage nous avons fait, sorti 4 pour arriver 8 mars passé. Côté nous sommes arrivés à dépister environ 2000 femmes, alors femmes dans tout secteur, femmes journalistes qui sont là, femmes policières, kazek magistrats délégués de ville, et nous capables de dire même femmes qui sont dans la société civile, femmes qui sont dans l'organisation de familles, et femmes de tous côtés qui viennent participer dans la campagne de dépistage. La campagne a été réalisée pour nous avoir des résultats dans le mois d'avril. Malheureusement, avec Vini Corona, ce pays a été fermé, ça te permet que nous ne pas de cabaye, mesdames. Résultat. Je dis à nous profiter l'occasion non seulement pour nous remercier les médecins nous qui encore là ensemble avec nous pour accompagner nous dans bay mesdames yo résultat yo pas seulement bay résultat mais bay fait suivi ensemble avec yo mais pour nous remercier et partenaires yo tout qui accompagnent nous ni pendant nous t'a fait depuis ça et journée jeudi qui présent ensemble avec nous tout nous dit merci avec participants et nous excusez pour retard dans tout qui t'ai gagné nous comprendre ça bien que c'est pas de volonté que nous t'ai gagné pour nous pas bay résultat, mais c'est circonstance qui permettent que nous pas capable de bailler au résultat. Donc je dis à nous venir là pour que nous capables de remettre résultat, nous pas remettre tout jeudi à nous il y a à peu près 400 personnes pour nous remettre résultat. Demain n'a pas un groupe encore. Jeudi c'est A B C D E. Demain en mercredi c'est F G jusqu'à Q n'a bail. Et jeudi, vendredi, samedi pour nous bailler reste moun yo. Donc je dis nous-mêmes nous là ensemble avec mesdames yo pour nous commencer lancer en journée activité ça côté que nous pas faire une semaine encore nous te faire une semaine pour nous te bailler pour nous te faire dépistage et n'a fait une semaine encore pour nous bailler résultat yo. Mesdames yo là ensemble avec nous environ 1200 femmes te dépistées. Dans la question en pap test, environ 182 femmes ont été dépistées. Dans la question mammographie,
y a n'a pas résultat yo et mesdames yo n'a continuer assister yo n'a faire suivi parce que campagne depuis ça ça nous te réaliser li c'est par rapport avec au sein des FENAFEM nous même nous te victimes et jour journée jodi a nous gagne femme nan mitan nous qui continuer à rencontrer problème nous gagne collègue nous Margaret Michaud qui était mouri dans cancer et pendant corona nous gagne l'autre collègue nous la mairesse adjointe de Petit Gouave qui encore mouri dans cancer du sein donc nous dit c'est une obligation pour nous mettre nous ensemble avec tout le monde dans le pays pour nous dire pour nous arriver sauver la vie femme dans le pays d'Haïti. On a dit environ 2000 femmes qui étaient passées dans la semaine du 4 au 8 mars. Ils sont sortis dans tout le pays. Dans tout le département, on a vu un paquet de femmes qui étaient passées. Et nous avons gagné vraiment deux femmes. Nous avons ciblé, nous voulons dire magistrat femme, Kazek, femme, délégué de ville, Azek, journaliste, policière. Et puis plus dans l'autre femme que nous avons recevoir, c'est femmes qui sont dans la société civile. Femmes qui marchent, femmes qui sont dans l'autre secteur et activité. Donc tout ce qui est venu là et nous avons aujourd'hui là nous avons recevoir 5 premières lettres dans l'alphabet hein, et non mon signature commencé par A jusqu'à E donc après que yo là donc c'est pour prendre résultat donc résultat il reparti il y a deux femmes qui a bien pour refaire pap test là parce que résultat environ 123 comme ça t'est biaisé 134 biaisé par rapport à femme non parce que s'il gagne règle il pas qu'à faire s'il prend gagne règle tout de suite il pas qu'à faire s'il gagne règle il fait finir pas qu'à faire donc ça me fait que résultat ça biaisé n'a bien pour nous refaire environ 134. Nous avons environ 900 femmes, femmes ça c'est femmes qui vivent avec une infection. Donc tout type d'infection, infection qui doit aiguë, li gen doit vraiment pas li pas en pile mais quand même les médecins yo là y a bien pour yo. Ouais, femmes ça avec tout résultat à la main, les y a bien pour yo prescrire des médicaments, y a bien suivi prise en charge qui a fait pour yo. Nous avons environ 20 femmes qui vivent avec un cancer qui vraiment en phase avancée, donc femmes ça nous gagnent pour nous référer yo nan zanmi la santé qui promet nous apport pour li prendre femme ça au fur et à mesure pour nous pour traitement. Et puis nous gagnent quelques autres femmes encore qui gagnent problème au niveau de sein. Donc il y a une quantité qui a gagné pour aller environ 56 qui a gagné pour faire soit faire prélèvement encore pour y aller garder faire opération et autres mais y a bien un suivi avec monde qui a souffri avec problème ça gagne tout quelques femmes environ 100 femmes comme ça qui gagne résultat normal pas gagne aucun problème pas gagne problème au niveau de sein au niveau de col de l'utérus donc c'est vraiment intéressant et c'est une belle activité donc nous allons garder vraiment dans qui l'idée que nous allons continuer avec lui et nous lancer balle en bas tout le monde qui est intéressé surtout le monde qui n'a question médical aidez-nous parce que faut aider femmes qui a souffri parce que si nous avons 900 femmes qui a vivent avec infection et tout le monde connaît infection de bile pas traité à qui ça a abouti donc c'est aidez-nous pour permettre vraiment que nous vraiment garder comment nous traiter femmes qui a vivent ou bien faire prévention tout pour nous mêmes femmes et garder puis devant tout monsieur autour nous dit ça tout à l'heure à monsieur autour qui a vivent parce que nous gain cancer prostate qui a fait ravage sur la caille monsieur yo donc garder vraiment comment on apprend et monsieur quand monsieur vous fait prise en charge pour tout pour garder vraiment si nous ca fini avec genre de cancer ça qui a ravagé et Haïti précisément. Et ses résultats, vous avez près de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été directement sensibilisés et je fais allusion ici aux 10 000 points de lavage de main, je fais ici allusion à plus de 10 000 volontaires, jeunes, agents de santé communautaire engagés au niveau des communautés qui ont contacté, qui ont été en contact et qui ont sensibilisé directement les communautés, que ce soit dans le monde rural ou en urbain. Vous avez près de 7,5 millions d'Haïtiens qui ont été sensibilisés à travers les médias de masse, la télévision, les télévisions et puis les radios. Et enfin, près de 13 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias sociaux. Ce sont des chiffres probants et qui prouvent l'engagement de tout un chacun, y compris des médias qui sont un partenaire clé dans la lutte et la prévention du Covid-19. Nous avons pu appuyer aussi le ministère de la Santé publique et de la Population dans l'élaboration de stratégies de communication. Et je pense qu'il...
On doit être honnête en reconnaissant les investissements, les résultats que nous avons atteints. Et nous sommes honnêtes également en termes de reconnaître les défis tels que M. le directeur général l'a énoncé aujourd'hui, les défis qui restent devant nous en termes de réel engagement à grande échelle de la population pour adopter les gestes qui sauvent, les gestes qui préviennent de cette maladie. Donc cette stratégie de communication qui est revue aujourd'hui va nous permettre d'ajuster un petit peu le tir et de revigorer un peu l'engagement, la motivation et les façons de communiquer pour, maintenir une beaucoup plus grande vigilance à plus grande échelle de la population haïtienne et tout en reconnaissant aussi l'importance de tous les agents de santé dans ce travail à la ligne de front, et proche des communautés. Donc je pense que le défi, il sera de renforcer un petit peu ces attitudes, ces comportements qui adoptent le port du masque, qui s'assurent qu'il y a distanciation physique entre les individus et que le lavage des mains pendant 20 secondes soit réellement appliqué plusieurs fois pendant la journée et particulièrement à certains moments, et bien sûr protéger son voisin, ses amis, sa famille et les connaissances lorsqu'on tousse, en se protégeant effectivement comme le directeur général vient de le dire. Voilà, donc nous sommes confiants de la mobilisation de tous les partenaires dans les prochains mois pour réellement éviter une autre vague et s'assurer que la majeure partie de la population soit protégée. Ça nous dans l'autre phase, ça veut dire que nous sommes conscients que l'épidémie a une évolution. Il y a une évolution qui m'a dit tout que nous réadapter la stratégie. Nous. Atelier aujourd'hui, en tout cas des 2 jours, ça va, parce que son atelier qui a duré 2 jours, l'hypothèse exclusivement sur réajustement communication dans la lutte contre COVID. L'un dit réajustement communication, on connaît à chaque phase dans l'évolution maladie, communication, les gagnants ont stratégie pour mettre en place pour faire. Ça veut dire que si on tape du mounio hier, c'est peut-être pas même bagaille là qu'on est obligé de dire aujourd'hui, hein, ou bien on peut dire le même genre par rapport à gens qui réagit à ce tape du hier. Dans le début de la pandémie, en mars, la maladie a été rentrée ici, la stratégie, c'était communiquer avec le peuple pour connaître que la maladie est réelle, elle existe, elle rentre dans le pays et elle a fait d'énormes dégâts si on ne prend pas certaines précautions. Malheureusement, la maladie a rentré, comme nous avons connu, nous avons rentré, nous n'avons pas empêché de rentrer. Mais il y a une bagaille que nous avons gommé tout, c'est que nous avons passé dans la phase 3, c'est-à-dire contamination communautaire. Là. Nous avons besoin de limiter les dégâts le plus possible. Nous sommes capables de dire que dans ce sens, nous réussissons. Il faut que nous admettions que nous n'avons pas gagné des dégâts que tout le monde était peur que nous n'avons pas gagné. Et malgré tout ça, nous avons pensé. Ce n'est pas pour rien qu'une organisation comme l'OMS, par exemple, de reconnaître que Haïti fait partie des 3 pays qui fait une bonne gestion de prise en charge communautaire. Là. Ça n'est pas les prises en charge communautaire, c'est que le monde. Quand dans la communauté, il y a un signe ou un symptôme qui semblait à COVID, qui semblait à coronavirus, il y a des gens pour gérer ce gain pour ne pas le retransmettre à l'autre monde, pour ne pas arriver à propager dans la communauté. Et communication, ça, c'est une des choses qui est importante, communication communautaire. Il y a pour nous parler avec la communauté. Parce que nous faisons expérience, nous que yo dit tout le monde mettez masque, par exemple. Mais pour nous mettre masque, c'est une habitude nouvelle, c'est un bagage nouveau pour enseigner les gens. D'abord, il faut que l'idée de mettre masque là, les gens rentrent dans la tête pour l'accepter de mettre masque là. Ensuite, il faut que les gens mettent masque là, ils mettent masque là bien. Parce que si vous mettez un masque, vous mettez le mal, ou bien vous servez avec masque là mal, masque là capable de créer sans relais un faux sentiment de sécurité, et c'est lui qui va le mettre en danger. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui a un masque, mais toute la journée, qui a retiré, qui a manié, qui a déposé, qui a remetté. Et même malheureusement, dans certains cas, côté de l'autre monde, on essaye de masquer l'autre monde. Par exemple, on a gardé le wagon bel masque dans la figure, on a dit, bon, ouais, mais bon, on fait une photo avec, etc. Comme avocat, moi, un peu de confrère.
consoeur, nous aimons tenir l'Assemblée générale. Il faut dire que une semaine avant, soit le 7 septembre, nous avons écrit personnellement le conseil-là pour nous demander de tenir l'Assemblée générale. Sous ensemble d'échanges d'informations qui doivent gagner nécessairement entre conseil-là et l'Église Marocain, sous dossier et puis, bon, en tout cas, ce n'est pas une réponse que vous avez à demande là, non, mais quand même, l'Assemblée générale a tenu matin. Bon, c'est une satisfaction pour moi-même, pour nous tout à l'heure. Mais de quoi il est question? Pas de contre l'autre point dans votre du jour que mobilisation qui me fait autour de l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier d'Orval. Bâtonnier Montferrier d'Orval, son j'ai dimension que j'ai gagné, son professeur d'université émérite depuis près de 25 ans, c'est Youn qui était une parole libre, une parole qui cadre avec l'état de droit, une parole qui cadre avec la démocratie, tout. Parce que d'Orval, c'est mon qui était ouais, dans sa rôle la diversité, d'Orval, c'est mon qui croit que même la minorité aussi opinion doit respecter, ça ne dit pas forcément que nous tous capables de dire même pareil, parce que nous tous ne comprenons pas pareil aux mêmes gens. Donc c'est ça que nous avons appelé nous dire l'esprit d'Orval et sous question ça, justement l'Assemblée générale a détenu. On peut voir que en pile temps passé, intervention de l'homme, ça qui est plus important dans l'Assemblée générale, c'est l'adoption des résolutions. Très bien. Donc des résolutions qui est moi-même de formuler plusieurs projets de résolution soutenant l'Assemblée d'Apollé et projets de résolution. Ça va parmi eux-mêmes, la date du 28 août pour nous consacrer comme une journée nationale, comme une journée pour l'état du pouvoir. Et parmi ça que nous proposons par l'Assemblée à tout et que l'Assemblée a prononcé le soulé, par exemple, l'ENAP dit justice pour Montferrier d'Orval, mais en réalité, nous voulons dire justice pour tout le monde qui a assassiné lâchement comme ça, que ce soit l'étudiant de la faculté d'agronomie, que ce soit, n'est-ce pas, les autres gens de Bel Air, que ce soit les autres aussi de Cité Soleil, que ce soit de Mantissant. Mais écoutez, les noirs comptent des cadavres chaque jour, pas qu'il y a un grain de monde qui mérite de mourir, non. Lorsqu'il y a une fille fait funéraire, nous décomptons des cadavres, nous dit bon, la démocratie, nous avons dit, c'est pas un pile, non, c'est 10. Mais ça, pour nous connaître, c'est que chaque monde qui mourit, son famille perd son papa, il perd son tonton, il perd son parrain, il perd son monde que le dégain en ville qui était seul espoir. Donc lorsque nous étions en globo, nous dit ah bon, c'est 10, c'est 15, il faut nous songer que chaque monde représente, on a dit, plusieurs monde pour famille, pour frère, pour seul, pour madame, et pour petit. Nous faisons une belle assemblée, c'est bien, nous n'avons pas été un grand nom. Mais c'est une bonne quantité d'avocats qui est là et c'était extraordinaire par rapport avec le débat, niveau débat tout. Mais que à la fin, on a toujours gagné. On a toujours fait ça. D'ailleurs, moi, j'aimais ça. Et bien ça, moi, je suis ma avocat parce que j'ai une contradiction. Et parce que c'est tout le monde qui nous amène. Ou après une réplique, même si on se dit après une réplique, et le gado balancer, c'est intéressant. Ça qui sorti. Le premier bas nous fait, c'est que qui sorti, c'est que nous d'accord, et assemblé à d'accord, pour le bas où nous pouvons porter le parti civil dans le conseil. Le premier bagage que nous d'accord avec lui. Mais pas oublier, dans la résolution 1 des deux autres, il y a un ordre symbolique. Symbolique, ça veut dire c'est tout ça qui est mémoire, bagage qui va le rappeler, mais devant, qui va le rappeler, vivant, etc. Donc dit, présence, c'est qui est belle dans la présence. Et puis technique qui va aller dans le côté légal, côté pour nous aller et faire point, par exemple, sur la question de constitution du parti civil, dans le procès, avec le procès. Nous créons une commission de suivi dans le procès, qui va constituer d'avocats militants, qui va constituer d'avocats militants, et qui a un avocat dans le conseil de l'OTAN, mais qui a d'autres avocats dans le monde là, qui, et même au niveau de la fédération des barreaux, des avocats spécialisés et en pénal qui va venir pour renforcer la commission ça pour permettre que nous arrivions jusqu'au bout. Nous décidons tout au niveau de l'Assemblée pour nous écrire au président de la République pour faire suivi de la résolution des
des avocats d'Europe, des avocats de l'Union africaine, et CIP, etc., qui t'a écrit dernièrement pour demander pour que mettre une commission internationale sous pied pour le suivi du dossier de Médoc. Nous prenons l'autre résolution. Quand on est une sorte de. Nous d'accord pour nous dénoncer, et si nous pas décidé de faire ça, supposé faire les autorités, nous allons dénoncer au niveau de la Cour pénale internationale les agissements du gouvernement. Les agissements du gouvernement par rapport aux différents massacres qui fait dans le pays, et jusqu'à présent, nous n'avons pas de justice, et en même temps, tout pour l'assassinat de Maître Doval. Le gouvernement et des représentants des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que d'associations du secteur privé, sont réunis ce matin pour signer un mémorandum d'accord sur la mesure d'affichage gourde en gourde des prix des biens et des services sur tous les territoires nationaux. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie, en date du 31 août 2020. Deux, l'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Trois, un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. 4. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et 5. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. Ce mémorandum est l'aboutissement d'un dialogue qui a démarré le 4 septembre. Il s'est poursuivi à travers les échanges continus dans le cadre du processus d'élaboration du contenu des différents points que je viens d'énumérer. L'esprit d'entente et de concorde, la volonté d'avancer ensemble dans l'intérêt de tous, nous a permis de parvenir à ce consensus. Dans la conjoncture actuelle, de telles attitudes constructives sont à promouvoir, voire renforcer. Notre pays a connu de nombreux bouleversements qui ont entraîné l'effondrement des institutions traditionnelles de la société. De nouvelles institutions font leur apparition, notamment l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché, et le propre de ces nouvelles institutions est de faire une large place à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de contracter, ainsi de suite. La liberté ne veut pas dire l'absence de contrainte, l'absence de contrôle, l'absence de régulation et donc l'absence de pouvoir de coercition. La liberté signifie simplement toute intervention des pouvoirs publics pour faire valoir une contrainte, un contrôle, une régulation doit se faire au nom du bien supérieur de la nation. En ce qui concerne l'affichage des prix, l'imposition du dollar comme la monnaie de transaction est contre nos intérêts supérieurs.
lorsque le paiement est exigé en dollars ou à défaut en gourde à un taux excessif, chacun est enclin à acheter des dollars et à les garder chez lui. Ces dollars ne sont donc plus disponibles dans les banques pour les transactions internationales. Il ne s'agit en aucune façon d'entraver les libertés économiques, mais de faire valoir un intérêt collectif. Rendre les dollars disponibles pour les entrepreneurs qui ont besoin d'importer, des particuliers qui font des achats en ligne à l'international, des pères et mères de famille qui ont des enfants à charge à l'étranger dans le cadre des études ou autres. Les mesures d'affichage en gourde constituent un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions internationales où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de baisser la tension sur le marché de change de cette devise. Pour dynamiser la production nationale, un plan de relance de l'économie post-Covid est en cours de finalisation, avec une emphase sur des mécanismes d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Au nom des associations et chambres de commerce qui sont ici présentes, nous signons un mémorandum d'entente avec les représentants de l'État haïtien pour nous assurer que l'affichage en gourde, qui est une mesure que je qualifie de normale, dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu pendant des années en Haïti une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui de toute façon devait être un jour corrigé. Depuis septembre 2018, un arrêté a fixé une décision du gouvernement d'alors de demander à tous les opérateurs économiques d'afficher en gourde. Une situation particulière dans le pays, l'instabilité que nous avons connue en 2018 et 2019, et suite à cette instabilité, la situation particulière sanitaire que nous avons connue en 2020 avec la COVID-19, a fait que cette mesure n'était pas encore appliquée par tous les opérateurs. Certains avaient déjà commencé à le faire, mais tout le monde ne le faisait pas. Le ministre du Commerce a pris un communiqué où il a donné 72 heures à tous les opérateurs pour appliquer la mesure d'affichage en gourde. Nous avons à ce moment-là commencé à discuter avec les autorités de l'État haïtien sur la façon de le faire sans provoquer des ruptures de stock, sans provoquer des problèmes pour les opérateurs et pour les consommateurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de ce mémorandum. Comme je le disais tantôt, ce n'est que l'affichage en gourde qui nous concerne aujourd'hui. Cependant, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues dans ce mémorandum qui devraient permettre, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, de stabiliser le taux de change, parce que dans une situation d'instabilité où nous avons eu, durant l'année 2019-2020, une augmentation du taux qui a avoisiné les 40%, et ensuite une correction qui avoisine les 60%. Dans ces conditions d'instabilité, il est difficile pour les opérateurs de fonctionner et les consommateurs ne s'y retrouvent pas. L'État non plus ne s'y retrouve pas. Donc il faut arriver à stabiliser le taux de façon à ce que nous puissions, de façon prévisible, faire nos budgets, aussi bien l'État que les opérateurs privés, et faire des affaires dans des conditions qui soient acceptables pour nous et pour nos consommateurs. Donc, nous, dans ce mémorandum, comme vous le verrez, parce qu'il va certainement être publié, il y a des décisions qui ont été prises par rapport au déficit, par rapport à la monétisation de ce déficit, et par rapport aux efforts de prévisibilité qui devront être faits par nos autorités pour nous permettre à nous, opérateurs, de fonctionner dans un environnement propice aux affaires.
Donc je remercie aussi bien mes collègues d'abord qui ont travaillé sur ce mémorandum que les représentants de l'État haïtien et leurs conseillers qui ont permis que nous arrivions aujourd'hui à cette signature. Sorti 22 septembre, dans la présentation à public là, dépend monde coordination nationale là à représenter département. Institution publique tant que privé pour nous parler des objectifs là. 3, sorti 30 septembre pour arriver 4 octobre, formation membre coordination nationale là à représentant département. 4, sorti 7 octobre pour arriver 20, formation pour membres coordination départementale. 5, 30 octobre, rencontre avec délégation communale Ranamsayo, qui sorti dans tous 10 départements pays. 6, sorti 7 pour arriver 28 novembre 2020, tournée nationale Ranamsa dans le pays. 10, 7, 10 décembre, première assemblée générale Ranamsa, avec tout représentant départemental national et communal Nio dans Port-au-Prince. 8, rencontre 15 décembre pour travail handicapé avec Ranamsa, avec toute entrepreneuse handicapée. 9, 31 décembre, journée solidarité Ranamsa avec femmes vulnérables. Un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de positions diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie qui traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatients de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt
les velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ces organisations et de ces pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoi ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives, en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Frères haïtiens, frères Maxime, cap tandem, ou bien cap gardem dans cap ton pays à la diaspora. Dans tout l'autre pays, il y a un problème d'instabilité. Vous mettez en accord, vous toujours consulter le peuple là, dans l'élection pour demander sa réponse. C'est dans l'élection que le peuple a décidé qui nous voulait vous diriger. Il n'est pas satisfait de l'idée, il n'est pas voté. Il n'est pas voulu pour nous, ça, parler de nous, parce que il n'est pas bon, madame. Qui donc? Meilleure façon pour un monde connaît qui s'appelle la pensée de vous, c'est dans l'élection où aller. Faites la parole de personne, ni tout le monde dans l'année, ni pour les machines dans l'année, ni faire le monde paix dans l'année, ni empêcher petit à l'école. Là, nous choisissons démocratie comme modèle pour fonctionnement société. Nous choisissons tolérance, vivre ensemble. Nous choisissons l'élection. Je dis ça plusieurs fois déjà. Pas de monde. Pas de groupe. Pas de parti politique
qui va prétendre résoudre tout contenu la compte à paquet de problèmes du pays d'Haïti accumulé depuis plus de 200 ans. Les arrivés, haïtiens, haïtiennes, frères Maxon, pour nous mettre une goutte dans la machine instabilité sans frein. Sans frein ça, qui bouleverse la vie de chaque citoyen qui vit dans le pays. Nous pas qu'à continuer à assister au pays qui souhaite pour disparaître nous-mêmes. Et souhaite pour disparaître nous-mêmes. Pour cause division, instabilité, à violence avec. Moment arrivé pour nous apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre. Ça nous constate, côté nous résoudre. Pas de l'autre pour découvrir la réalité, ça. Nous avons à toute bouline sur le chaos, sur la catastrophe. Nous avons sur la destruction de la nation. Et j'aime tout vous dire, ça n'a pas qu'à continuer dans ça. Une autre fois encore, je demande à nous tous, quel que soit à côté de nous camper sur le plan politique, social et économique, pour nous comprendre, il faut gagner un sacrifice qui fait pour le pays. Ça veut dire qu'il faut nous joindre un consensus pour nous convertir tout ça qui divise nous en opportunité, pour permettre nous joindre bon gens en temps pour mener le pays sur votre réforme tout bon. Il n'y a pas de porte qui ferme. Au contraire, c'est avancer, n'a pas avancé pour déboucher la route. Peuple haïtien, sème à premier. Tout le monde dans la société civile, là, secteur politique, là, secteur économique, là, à diaspora, reconnaître et être d'accord que le pays a besoin de bons changements et de réformes qui va mettre le camp de droite. Moment difficile, il fait un peu. Mais pas oublier. Si nous décidons de mettre tout ça qui divise nous sous côté, bien ça, nous allons faire clair. Mais pour l'ignorer, ça apparaît, il faut que nous joignions un minimum accord sur des accords. Nous. Parce que nous ne sommes pas capables de retirer le pays à notre trou fond côté l'IA sans nous pas mettre toute force nous ensemble. Citoyens, citoyennes, groupe société civile, organisation politique, religieuse et syndicale, diaspora. Demandez-nous tout pour nous engager nous dans la route changement pays. Haïti, c'est pour nous tous. Demandez pour chaque responsable public dans l'État pour pouvoir s'habiter. Demandez pour chaque citoyen, chaque citoyenne, pour défendre nos droits, pour y participer. La politique pays. Demandez pour la loi accompagner la vérité sans pas se coucher. Demandez pour Haïti pour une route et stabilité, la paix et le progrès. Parce que pays nous tout réveille. Ce n'est pas dans la météo, on roche dans le même chat que nous avons. C'est dans le bail, nous pas collaborer que nous avons. Je dis, nous croyons. Le pays a besoin de toute petite lit. Depuis la montée dans notre pays, je ne peux pas comprendre comment le monde ou bien le secteur dans le pays comprend qu'il y a un monde qui puisse passer l'autre, un secteur qui puisse passer l'autre. Je ne peux pas comprendre ça. Je comprends que tout haïtien, quel que soit côté où on vit, c'est même droit et même devoir que tout gagne. Société à malade, trop hypocrisie, trop non-dit. Je dis à faut nous parler. Faut nous parler pour nous gens nous comprendre l'autre. Pour tout le monde, parler de quoi
ces héros indépendants qui ont sacrifié tête, soldats qui ont bataillé dans la guerre d'indépendance, pour un groupe de monde qui comprend que c'est pour eux seuls la bataille de sacrifice. Bataille ça a été fait pour tout le monde, pour tout haïtien à la ronde Babel. Qui haïtien qui vient pour clair, qui ça vient pour moi, qui haïtien qui a vivre en dehors, qui ça qui a vivre la ville, qui haïtien qui a vivre en diaspora, qui ça qui a vivre en Haïti. C'est pour tout le monde que bataille ça a été fait. C'est pour ça que je dis, Charles qui joue deux conseils électoraux, provisoire ça, Charles a l'autre en pile. Parce que son Charles, qui permet le pays à sous route changement tout bon vrai, sous route réforme qui nous arrive. Côté réforme, côté tout le monde s'y poser là-dedans, côté tout le monde à la ronde Babel, sans exclusion s'y poser là-dedans. Et pour le fait, faut que nous cachions à parler, faut que nous cachions à attendre, parce que nous cachions à parler, mais si pas que nous cachions à attendre, là pour un gros problème. Moment arrivé, pour nous comprendre que changement total capital ZAN, tout sauté là, pas possible, c'est impossible. Comme premier mandat de nation, devoir c'est défendre le régime démocratique que le peuple a choisi pour bien, pour sécurité petite. Ensemble, on va mener la bataille jusqu'à la victoire finale. Et victoire finale là, c'est victoire démocratie. Victoire finale là, pas de petit groupe de monde. Victoire finale là, pas de pour un seul monde. Victoire finale là, libre pour tout le monde. C'est ça qui est important. Je dis que nous tous nous reconnaissons. Depuis l'aime montée dans notre pays, pour y aujourd'hui, c'est ça ma péché et c'est pour lui ma bataille. Et c'est pour lui moi-même avec l'équipe, moi-même avec le gouvernement qui a décision difficile qui prend. Il y a des décisions qui font mal. Même à dire, ces décisions sérieuses, c'est eux qui vont pour le monde qui n'a pas voir. Parce que si pas une bonne décision qui prend, pour nous retirer le pays dans la pauvreté, dans la misère, dans la crasse côté de l'Ijodia. Pour nous retirer Haïti dans la fête, dans côté de l'Ijodia. Si pas une bonne décision qui prend, pour nous lumer tout le pays. Parce que si nous voulons parler de développement, faut nous retirer en vain. Ça veut dire bagaille qui vient en vain développement. Qui ça y est? C'est route, c'est de l'eau, c'est courant. On ne va pas parler de développement sans nous pas planifier bagaille ça yo. Parce que si pour nous un bon hôpital, il faut nous un bon courant pour ça l'opération fonctionner très bien. Si pour nous un bon université, bon école, faut tout système d'électrification PIA nous chita sur lui. Tout le monde comprend clair que c'est route ça nous doit prendre. Mais en pile monde, comme pas dit un petit groupe monde, comprendre que le rôle par eux, c'est par eux, mission ça. Et son mission, c'est lui, moi-même avec l'équipe, moi, nous choisissons la tête, nous, pour nous capables de mettre le pays sur route changement, route développement, route démocratie. C'est pour ça que je dis, je décide de mettre le conseil électoral là en place parce que moi qu'on est sans démocratie. Pas jamais gagné stabilité et si pas une stabilité, pas jamais gagné progrès. Et sans progrès, on a toujours été dans une misère, on a toujours été dans un sous-développement, on a toujours été à la traîne de toute notre nation qui vient dans le monde. Je remercie tout le monde à la ronde Babel, surtout secteur qui choisit même CEP. Secteur qui choisit mettre jeudi à camper gros outils ça. Donc on est 9 secteurs ça. Ce sont gros décisions que nous prenons.
Mais ça m'a dit aujourd'hui, la participer dans la construction qui gros parti démocratique. Construction, réforme, construction, pluralisme politique, là. Construction, démocratie, amen. Ça veut dire, élection, c'est là, tout le monde capable de venir dire si le peuple a voulu ou non. Bon côté. Il y a plus de monde qui dit un peu de bagage. Mais pas oublier. Parler, faire vos discours, ce n'est pas les réalités. Je vous dis, c'est comment se préparer pour faire bon genre campagne. Pour faire bon genre programme. Tout le peuple. Pour le peuple comprendre nous, pour qu'il vienne remplacer nous, pour qu'il vienne sénateur, pour qu'il vienne député, pour qu'il vienne magistrat, pour qu'il vienne kazek, pour qu'il vienne azek, pour qu'il vienne délégué ville. Nous savons que dans le conseil électoral là, je viens juger au bandé, c'est juger. Et ça m'a demandé nous, dans le décret électoral, nous viens pour nous préparer, pas oublier ça. Travail avec tout le monde qui connaît que le conseil électoral là, il y a un monde qui connaît qui est capable là-dedans. Dans le niveau communauté internationale là, le support que nous connaissons, il y a des organismes qui toujours baillent. Comme travail pour que résultat élection, vous connaissez quelques heures avant, après quelques minutes. Moi, je dis, mais victime de lui, je ne suis pas d'accord. Pour l'autre candidat victime de ça, c'est après quelques heures, l'élection est une fête. Pour tout le monde comme tendance, pas du résultat définitif. Tendance, vote. Même j'en fait dans tout le pays, pour le résultat passé à l'élection, je ne vais pas lever demain matin. Élection, on jase même avec manger, l'aile couchée, résultat élection couché, l'aile lever demain matin. Bonjour. Vous comprenez? Ça veut dire, pas le résultat élection, bonjour vous. Faites peuple là qu'on est, mon niveau T. Qui est-ce qui est un, d'une manière partielle, gagné ou bien qui est-ce qui perdu? Que bon Dieu donne force pour nous mettre tête ensemble. Nous-mêmes, même conseil électoral, là. Si mon conseil public, nous avons aujourd'hui, parler tout le temps, parler ensemble, pas quitter personne d'une autonomie de temps. Nous sommes 9 soeurs à faire, c'est un coup, son équipe football, qui y a des joueurs qui se disent, plusieurs côtés, maintenant, nous avons un seul maillot, nous avons une seule cause. Cause des haïtiens. Nous comptons sur nous. Nous croyons que le secteur qui voulait nous. Nous ne pouvons pas faire honte. Nous avons campé pour que le conseil électoral soit le meilleur conseil électoral qui passait dans l'histoire du pays. Pour aller vers le conseil électoral permanent qui tout le monde veut. Nous croyons que, au niveau exécutif, là, je viens de se dire. Le gouvernement, le premier ministre qui est là, tout support que nous avons besoin. Donc on est dans le budget 2020-2021. Il y a l'argent qui est là pour faire l'élection. Donc on est que le support qu'a demandé tout au niveau international pour nous capables en termes d'observation, pour nous en pile observation dans quelle que soit l'élection qui a bien faite dans l'année 2021 pour nous déjà fixer sous l'eau. Parce que le bon problème dans le pays, le mauvais perdant, c'est eux-mêmes qui font plus bruit. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci un peu. J'ai le grand plaisir, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, de procéder ce matin avec joie. Vous pouvez le constater. À l'installation du nouveau protecteur adjoint, de la nouvelle directrice générale
et du nouveau directeur de promotion et de communication au niveau de l'OPC. Cette installation de ces trois nouveaux hauts cadres de l'institution vient à un moment où l'OPC développe depuis près de deux ans un nouveau dynamisme afin de remplir valablement sa mission et ses attributions qui sont définies dans sa loi organique de mai de 2012. Mais cette installation se situe également, je dois le signaler, dans un contexte tout à fait particulier, difficile, avec bien évidemment des défis de taille ou bien des sujets de vive préoccupation. Je peux citer à titre d'exemple, nous avons la question de l'adoption d'une nouvelle constitution pour le pays, qui est un sujet d'actualité. Nous avons la question des prochaines joutes électorales annoncées par l'exécutif, qui est un sujet de préoccupation. Nous avons la question de la fédération des gangs armés qui sèment la terreur dans le pays. C'est un sujet de vive préoccupation pour la population. Nous avons aussi la pratique de l'intolérance et de la violence en Haïti, qui est encore un sujet de vive préoccupation. Et comme nous l'avions fait dans le passé, je donne la garantie que l'OPC se chargera de fixer en toute indépendance et de façon courageuse sa position sur ces questions d'actualité très prochainement. Monsieur le directeur de promotion et de communication de l'OPC, en votre qualité de directeur de promotion et de communication, je vous demande d'abord d'actualiser, de mettre en œuvre le réseau des journalistes haïtiens pour la promotion des droits humains que nous avons créé avec l'appui de Avocats sans frontières il y a cela deux ans. On doit passer à l'œuvre. Ce réseau est là, mais ce réseau n'est pas fonctionnel. C'est l'une de vos tâches. Vous devez aussi renforcer le plan de communication, de promotion de l'OPC afin d'aider la population à mieux connaître cette institution. Il y a un peu de monde qui ne connaît l'OPC. Aujourd'hui, au niveau de l'OPC, nous avons environ près de 150 ou bien 160 employés, composés d'employés de cadres. Nous avons environ 47% de ces employés qui sont dans les villes de province. Et nous avons, vous allez certainement nous donner les chiffres, nous avons plus de 45% de personnel composé de femmes. Donc, il y a nécessité d'envisager une évaluation de tous les cadres, de tous les fonctionnaires, de tous les employés de l'OPC, ici au niveau des deux bureaux centraux, mais également au niveau des présences territoriales dans une perspective d'une meilleure performance de l'institution. Je commence par remercier le directeur des citoyens qui a fait choix de moi avec le directeur de promotion et de communication de l'OPC. Je remercie également le protecteur adjoint et la directrice générale d'avoir participé à mon choix. Je vous remercie. Je dois également saluer et remercier le personnel des différents services de la direction de promotion et de communication de m'avoir accueilli parmi eux. Je les remercie. Je vais préparer un discours, mais en écoutant les différents éléments de l'affaire du route du producteur, je n'ai qu'à prendre l'engagement d'accomplir, de mettre à exécution les différents éléments de cette affaire du route.
Et pour y arriver, je dois avoir, je dois compter, comme c'est déjà fait, sur la collaboration de tous les membres des différents services de la direction de l'élection. Je parle du service formation, je parle de communication, de relations avec les ONG, de documentation et archives. Et je dois compter également, j'aurai besoin également de la collaboration de tout le personnel des différentes directions, des différentes coordinations, des différentes unités et services de l'OBC. Au nom de la direction, au nom de la direction de promotion et de communication, M. le producteur, je prends l'engagement de mettre en exécution les différents éléments pour vous dénoncer à travers les familles. Il m'est un immense plaisir et une fierté patriotique de prendre la parole aujourd'hui pour m'engager comme directrice générale de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne afin de continuer à appliquer et à coordonner la politique générale de l'OPC en matière de promotion et de protection de droits fondamentaux de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Je ne saurais commencer mon allocution sans extérioriser ma profonde gratitude à l'égard du protecteur du citoyen, Maître Renan Hédouville, pour la confiance placée en ma personne, en jetant sur moi son dévolu pour être la directrice générale d'une institution aussi prestigieuse, une institution sûre de son destin. Mesdames et messieurs, l'article 19 de la loi mère de la République d'Haïti précise « L'État a une impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. » Et pour rendre opérationnelle cette provision légale, l'OPC a été institué avec pour principale mission protéger tout individu contre toute forme d'abus d'administration publique, article 207 de la Constitution. Et dans les faits, s'agissant de garantir le droit du citoyen et ce, quelle que soit sa provenance et son statut social, l'OPC est disposé à intervenir et de fait, il agit sur tous les cas d'abus de l'administration publique, mais aussi sur toutes les questions relatives aux droits humains. Je voudrais tout d'abord remercier le protecteur citoyen de m'avoir désigné pour être nommé à la fonction de protecteur du citoyen adjoint à arrêté présidentiel en conformité avec l'article 18 de la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen. Monsieur le protecteur, après avoir occupé le poste de directeur général pendant 2 ans et demi, selon les prérogatives qui vous sont dérogées, vous m'assignez aujourd'hui de nouvelles responsabilités pour vous assister dans vos attributions respectives. À travers cette décision, vous me signifiez une fois de plus votre confiance. Je vous en remercie et je vous donne tout mon engagement à œuvrer dans le même sens pour que l'OPC puisse réussir dans ses différentes activités. Il s'agit d'une action de bonne pratique, témoignant de votre engagement visant à valoriser et encourager la carrière de la fonction publique. Je suis le témoin de ces actions. Comme vous le savez, après 22 ans d'expérience pour cette institution, je sais pourquoi je parle. Je saisis cette occasion solennelle pour vous réitérer mon engagement indéfectible dans cette noble et difficile tâche dans la construction d'une société plus juste et équitable où le respect des droits fondamentaux constitue
la priorité des priorités de chaque haïtien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.